Salut les potos, donc là on est en train de. Enfin, plutôt, je vous présente un petit 48 à mon ami Jean-Marc. Il est de quelle année déjà celui-là? 2020. 2020, ok, donc c'est vraiment le dernier des sportsers, puisque comme vous le savez tous, il n'y en a plus. Et donc voilà, il a acheté ça pour sa femme et il a fait le constat, et surtout sa femme, hein, que la moto ne faisait pas du tout de bruit. Donc on va mettre la petite ligne d'échappement Bikern, puisqu'il l'avait déjà vu sur la mienne. Ils avaient bien kiffé, donc voilà, on va mettre ça sur le 1200 pour voir un peu ce que le son va donner. Alors je profite là de ce petit arrêt sur image là pour vraiment vous montrer le avant et après. Donc là on voit bien donc la ligne Bikern, hein, voilà, et donc la ligne d'origine. Et je trouve que esthétiquement, c'est vachement plus joli en fait. Je trouve que ça fait un bon rappel sur le noir du bloc moteur. Si on regarde bien entre là et là, on reste toujours dans l'esprit donc d'origine, chrome et noir. Mais je trouve que là, du coup, on est vraiment à 50-50 et esthétiquement, c'est super joli. Voilà. On a mis, allez, 45 minutes chrono pour changer ces fameux silencieux Bikern. Esthétiquement, sur ce 48, c'est vraiment génial. Donc on va faire un petit essai vite fait caméra, en espérant que ça fonctionne, enfin plutôt que ce soit assez perceptible à l'oreille. La seule info que je peux vous donner, c'est que là on est sur un 1200, et donc pour le coup sur le 1200, je trouve que le son est encore plus agréable. Allez, on regarde ça, j'espère que ça va bien fonctionner. Allez, c'est parti. Là on est en mode tranquille, hein. Allez. J'espère que le rendu sera pas mal, mais encore une fois, je vous recommande ces échappements pour le prix. Je trouve que vraiment ça fait son job. Et là, pour le coup, ces silencieux-là sur ce 48, c'est top.